besos los causantes de esto que yo siento y hacen que me gustes más. Lo prohibido nos hace tentar a pecar. Es que son tus besos los causantes de esto que yo siento y hacen que me gustes más. Lo prohibido nos hace tentar a pecar. Avec ses 8 600 000 habitants, Bogota est la capitale d'un pays en pleine mutation. Nous sommes revenus en Colombie pour retrouver la famille qui nous avait accueillis lors de l'adoption de notre fille. La fin des grands cartels de la drogue et les négociations avec les guérilleros de la FARC ont ramené une certaine sécurité dans ce pays qui s'ouvre au tourisme. La Plaza Bolívar est au centre du quartier historique. C'est là que furent bâties les 12 premières maisons de Bogota. Au centre de la place, le Libertador, Simon Bolívar, rappelle avec fierté l'indépendance gagnée le 10 août 1819 face à la couronne espagnole. Si la cathédrale Primada et le Capitole datent du début et de la fin du 19e siècle, le palais de justice, lui, date de 2004. En 1985, il est détruit suite à une prise d'otage du M-19. Les chars de l'armée colombienne interviennent, faisant une centaine de morts. Sentimientos camuflados e intenciones, peligrando que los corazones se enamoren. Es que no entienden que somos amigos, estás con otra, estando conmigo. Es un juego peligroso, el que se enamora pierde. No dependemos uno del otro, pero algo nos detiene. Le quartier colonial de la Candelaria est le centre historique de Bogota. Y sin querer involucramos emociones. Es una amistad que no tiene condiciones. Así, los dos somos libres. Entre menos se ama, más se vive. Le sanctuaire de Monserrate domine la ville à 3150 mètres d'altitude. C'est un point d'observation idéal lorsque la vue est dégagée. Dans cette ville où la voiture est reine, de nombreux axes routiers sont rendus aux piétons et aux cyclistes le dimanche. De Bogota, nous rejoignons Armenia par avion pour découvrir une des régions les plus emblématiques de la Colombie, celle des cultures caféières. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. Pusimos primero el placer y el amor para luego. Preferimos la lujuria que los detalles. Dijimos que es mejor que el corazón se calle. Troisième producteur mondial de café, la Colombie produit uniquement l'arabica, cette variété douce et fruitée. Nous nous rendons dans la région d'Armenia pour découvrir la finca El Cariel, que José Hernando López exploite avec sa famille. Ustedes vienen a conocer los del café, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Después de tenerlo en la grano, en la mano, entonces nosotros hacemos la despulpada en esta siguiente manera. Después de tenerlo despulpado, nosotros lo ponemos a secar de 3 a 4 días bajo la sombra. Ponerlo en una parte que llama germinador. Y en esa germinación dura más o menos entre 40 y 45 días para tener la plantica tal y como está esta. Después de los 40 días, 45, nosotros embolsamos tierra en unas bolsas negras de kilo, lo pasamos ahí a las bolsitas. Después, luego de ahí, a los 2 meses le buscamos el lugar donde las vamos a sembrar, de unos 50 de ancho por unos 50 de largo. Acá está más amontonadito, ¿por qué? Porque como no tiene sombra de plátano, este café tiene un año de edad. En estos momentos no hay cosecha, porque las cosechas aquí son en abril y mayo. Y ahorita hay una traviesa que viene, que es la de octubre, noviembre y diciembre. Nosotros recolectamos, yo aquí tengo la gente para recolectar el café. Por lo regular se paga a 8000 pesos. Pesos galón. Entonces, el contrato es que lo que cojan, eso se les paga. Aquí en esta finca nosotros manejamos café,
plátano y cítricos. ¿Cuáles son los cítricos? Los cítricos es naranja, mandarina, aguacate. En mariant la production du café à celle de la banane, on obtient une variété particulière, appelée Bourbon. Elle pousse à l'ombre des bananiers, dans une terre fertilisée par un compost naturel, produit des différentes cultures de la finca. Ensuite vient le dépulpage, l'opération qui consiste à séparer la pulpe de la graine en entraînant la chair du fruit par l'eau, d'où l'expression « traitement par voie humide ». Autrefois, cette opération se faisait mécaniquement. Il reste à nettoyer les grains avant de pouvoir les torréfier. El que se enamora pierde. No defendemos uno del otro, pero algo nos detiene. Ces vallées luxuriantes ont vu la naissance de jolies petites villes colorées, à l'architecture paisa, mélange de colonialisme et de couleurs autochtones. Fondée en 1850, Salento est une des plus anciennes villes de Quindío. Elle est aussi l'une des plus touristiques. Cette débauche de couleurs est un vrai régal pour les yeux, que l'on ne se retient pas de photographier et de filmer. Sur la place, les jeeps datant de la Seconde Guerre mondiale attendent le client, que ce soit pour transporter des porcs, des bananes ou des personnes. Elles n'ont pas de limite de chargement et peuvent embarquer plus de 15 passagers. C'est peut-être sa proximité de la baie de Cocora qui a rendu Salento si populaire. Cette vallée luxuriante se caractérise par la présence des palmiers de cire, l'arbre national de la Colombie. C'est le plus grand palmier au monde. Il peut atteindre 60 mètres. Beaucoup moins touristique que Salento, la nonchalante Finlandia est une petite ville caféière tout aussi pittoresque que sa célèbre voisine. Au Parc de Bolívar, on peut goûter à la quiétude de cette ville, qui est aussi réputée pour sa vannerie, très prisée des cueilleurs de café. S'il est un lieu où les Colombiens aiment venir se détendre et faire la fête, c'est bien à Santa Rosa de Cabal. Ces sources chaudes peuvent atteindre 80 degrés. Elles ne sont pas sulfureuses et donc inodores. Le must est de s'immerger sous la cascade avant de plonger dans les piscines chaudes. Deux jours de voyage sont nécessaires pour rejoindre Providencia. Il nous faut reprendre un avion jusqu'à Bogota et attendre une correspondance pour San Andrés. San Andrés, l'étape obligée pour se rendre à Providencia. La seule liaison aérienne vers ce petit paradis décolle de sa très touristique voisine. Deux petits avions de 20 places font journellement la navette, emportant avec eux un nombre limité de touristes et d'autochtones. Cette limitation du nombre de visiteurs et son relief en font une île totalement différente de San Andrés. Providencia est d'origine volcanique, avec trois sommets de 360 mètres, alors que San Andrés est plate et corallienne. Située à 800 km des côtes colombiennes, cet archipel n'est qu'à 240 km du Nicaragua et permet à la Colombie d'étendre largement ses eaux territoriales. Suite à un accord de 1928, les Nicaraguayens reconnaissent l'appartenance de l'archipel à la Colombie.
en contrepartie de la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos. Mais en 2012, la Cour internationale de justice concède 40% des eaux territoriales au Nicaragua, ce qui ne fait pas l'affaire des pêcheurs locaux et du gouvernement colombien qui contestent cette décision. Si la langue officielle est l'espagnol, les autochtones parlent un créole à base d'anglais. La culture y est plus tendance rasta que salsa. La population est des plus métissées. Elle est le résultat d'un mélange d'Africains descendants d'esclaves, de colonisateurs espagnols et de pirates anglais et hollandais. Au nord de Providencia, face à la ville, la petite île de Santa Catalina est accessible par un pont flottant. On ne peut s'y rendre qu'à pied. Une jolie balade qui offre des vues paradisiaques sur Providencia mène vers un rocher en forme de tête humaine. C'est la Cabeza de Morgan, la tèdre du célèbre pirate gallois. Des canons rappellent également le passé de piraterie qui marqua l'histoire mouvementée de l'île. Pour faire le tour de l'île, le plus pratique est d'utiliser une voiturette de golf. On peut musarder de plage en rocher, admirer la barrière de corail, les Tres Hermanos, ou encore Cayo Cangrego. Ce petit rocher a été aménagé en réserve naturelle, apprécié pour ses fonds marins. On y croise des raies, on se lance à la poursuite des tortues marines, où on se laisse bercer par le ressac en compagnie d'une myriade de petits poissons. De nombreux spots attirent des plongeurs motivés, que l'isolement de l'île n'effraie pas. Ce petit paradis ne nous a pas déçus, même si après 10 mois de sécheresse, la pluie est venue un peu nous gâcher la fête. Nous quittons les îles destination Cartagena, la perle des Caraïbes. C'est en 1533 que Pedro de Heredia crée Cartagena des Indes à l'embouchure du Rio Magdalena. Cette ville de la côte Caraïbe devient très vite un port s'avérant essentiel à l'empire colonial espagnol. Porte de la cordillère des Andes, Cartagena doit sa prospérité à l'exportation d'or, d'émeraudes et autres richesses. Mais elle sera aussi un important port négrier. En 1552, la ville est réduite en cendres et Pedro de Heredia interdira tout autre matériau que la brique, la tuile ou encore la pierre. C'est cette ville que nous découvrons encore aujourd'hui. Ce port très prospère devint très vite la cible de nombreux pirates. Les attaques des Français Robert Voal et Martin Côté ainsi que de l'anglais Francis Drake, poussèrent la ville à se doter de remparts. Elle devint la ville la plus protégée d'Amérique du Sud. Le 11 novembre 1811, Cartagena déclare son indépendance de la couronne espagnole.
Il lui faudra 10 ans pour se défaire complètement du joug colonisateur. Au milieu du 19e siècle, un tiers de la population est décimée par le choléra, alors que la ville subit la concurrence de Barranquilla sur les rives du Rio Magdalena. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que Carthagène se réveille, grâce aux industries pétrochimiques et touristiques. En 1984, elle est déclarée patrimoine historique et culturel de l'humanité par l'UNESCO. Aujourd'hui, la ville moderne, avec ses nombreuses tours, enserre les vieux quartiers. Les visiteurs sillonnent la ville intramuros, à pied, en vélo ou en calèche, se perdant dans les petites rues aux balcons fleuris. La Plaza Bolívar, anciennement place de l'Inquisition, s'anime des rythmes effrénés de danseurs de rue. Mais c'est le soir que Carthagène s'anime vraiment. La chaleur de la journée est tombée. Les éclairages font ressortir ces merveilleuses couleurs. Les terrasses accueillent les badauds. C'est avec le bus de ligne que nous rejoignons Mompox. Mompox n'existe pas. Parfois nous rêvons d'elle, mais elle n'existe pas, écrivait Gabriel Garcia Marquez. Perdu dans un bras du Rio Magdalena, ce village où le temps s'est arrêté a très probablement inspiré le prix Nobel de littérature pour son roman « Cent ans de solitude ». Déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1955, Mompox, de par son isolement, a réussi à garder son caractère authentique. Son accès difficile la préserve du tourisme de masse. Il n'y a pas d'avion pour se rendre à Mompox. Et nous avons pris le bus local à partir de Carthagène pour nous y rendre. Fondé en 1540, Mompox était un port fluvial très actif. Mais un changement de cours du fleuve Magdalena entraîna une conséquente baisse de l'activité portuaire. Cette ville très religieuse s'est alors endormie. Elle se réveille toutefois la Semaine Sainte pour les nombreuses festivités. Les églises y sont nombreuses et très fréquentées. Les plus remarquables sont certainement San Francisco et Santa Barbara, situées face au fleuve. Le cimetière où la vie se confine à l'éternité et également une curiosité touristique qu'il faut voir à Mompox. Ici, les tombes se superposent. En Colombie, le sens de la fête est toujours présent. Nous l'apprendrons en montant sur ce bateau qui croise sur le fleuve à la tombée du soir. Un orchestre local prend place à bord, et le bateau se transforme en discothèque. Cela nous laisse néanmoins l'occasion d'observer la vie le long du fleuve et les magnifiques couleurs du soleil couchant. Mais si les Mompoxinos aiment la fête bruyante, ils sont aussi adeptes d'une certaine douceur de vivre. Rien d'étonnant alors que Mompox soit un haut lieu de la fabrication des rocking chairs. Le lendemain, c'est sur une lancha que nous embarquons pour partir à la découverte du delta du Rio Magdalena.
Le Rio Magdalena traverse la Colombie du sud au nord, sur 1540 km, entre les cordillères centrales et orientales des Andes. En rejoignant la mer des Caraïbes, il fut un axe de communication majeur, ce qui permit le développement de Mompox. Nous quittons le bras de la rivière pour nous rendre dans le delta inondé en mototaxi. Nous traversons des villages oubliés, des bananeraies sur des pistes chaotiques. Une nouvelle lancha nous attend pour partir à la découverte des plaines inondées. Ici, nous sommes au paradis des oiseaux. Nous débusquons aigrettes et martins pêcheurs. La lancha se lance à la poursuite des cormorans, provoquant leur envol. Au retour, un enfant nous confie un petit lézard qui embarque avec nous dans la lancha. Il sera la vedette du bateau jusqu'à ce que nous rencontrions une colonie de singes. Nous rentrons en jeep à Carthagène pour reprendre l'avion direction Bogota. Nous devons y tourner le clip vidéo de la chanteuse Steffi Aldana. El momento se dio, la ocasión es perfecta. No quiero contigo una noche pasajera. Tú conmigo, yo contigo, sin que el tiempo se detenga. El momento se dio, la ocasión es perfecta. No quiero contigo una noche pasajera. Tú conmigo, yo contigo, sin que el tiempo se detenga. Aprovechemos el momento. Hagamos de esta noche un perfecto momento. Que se nos da, que hay que aprovechar. Creo que no fue casualidad haberte encontrado, tenerte a mi lado y de tu mano poder caminar. Y es que tú me tienes mal, solo tú. Mi cuerpo se temblar. Maré a la prisión, tú eres un ladrón que se ha robado mi corazón. Y es que tienes más, solo tú. Mi cuerpo se temblaré a la prisión. Tú eres un ladrón que se ha robado.